le bon plan. Je vous le dis depuis le début de l'émission, Adrien a un invité hors du commun ce soir à ses côtés. Il est avec nous en studio d'ailleurs. Adrien, présentez-nous votre invité exceptionnel. Bonsoir Raphaël, bonsoir à toutes et à tous. C'est un honneur pour nous de le recevoir à l'antenne, c'est une exclusivité mondiale. Raphaël, ne tournez pas la tête pour l'instant vers notre invité. Si je vous dis vieux, sénile, pouvoir et deuxième mandat, vous pensez à qui? Brigitte Macron. Non, Raphaël Bardona, c'est absolument pas ça. Nous avons la chance d'avoir avec nous en studio Joe Biden, le président des États-Unis, qui se présente pour un second mandat. La classe, je vous laisse mener l'interview, Adrien. Hello, Mr. Biden. It's a grand honor de vous avoir avec nous. Monsieur Biden, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur MRG. Je sais que vous nous écoutez souvent et que vous réagissez souvent sur les réseaux sociaux à nos émissions. Hello, it's Rudy. Bonsoir monsieur le président de United States. Merci, je vois que vous avez appris quelques mots de français. Merci pour cet effort. Ma première question, vous l'attendez évidemment. Pourquoi vous présentez-vous pour un deuxième mandat malgré votre âge, je le rappelle, 80 ans? I want to construct a mural for the United States of America and the Mexico. Monsieur Biden, vous vous rapprochez donc des idées de Donald Trump. C'est une droitisation que vous opérez? Oui, ma dégale porte à droite dans mon pantalon, espèce de chouduc. Je comprends pas. Quoi? Alors, est-ce que vous pouvez répéter... Monsieur Biden, est-ce que vous pourriez répéter? Can you repeat, please? Oui, ma dégale porte à droite dans mon pantalon, nom de chouduc. D'accord, oula. Alors, monsieur Biden, s'il vous plaît, un peu de tenue. Nous sommes une émission sérieuse et vos conseillers nous ont bien dit de vous traiter avec respect. Faites-en autant pour nous. Vous proposez quoi d'autre? So, the chouduc, ce que je vous propose, je vais descendre l'âge de départ to the retreat à 50 ans. Ah, comme ça, everybody pourra kiffer sa life. Alors, monsieur Biden, vous savez que ça marche pas comme ça aux États-Unis, Joe. Ils ont pas d'âge de départ à la retraite, ils la prennent quand ils veulent, puisque l'État ne leur verse. Adrien, j'ai comme l'impression que vous vous foutez légèrement de moi. C'est pas du tout Joe Biden à côté de vous. Alors, je vous avoue qu'MRG, ça paye pas super bien. Vous êtes au courant, j'ai beau être le diamant brut de MRG Media. C'est donc tout à fait. Des médias français même. Des médias français dans leur totalité. C'est donc tout à fait logiquement que j'étais approché par un chasseur de tête américain pour venir en aide à leur président. On m'a proposé d'être une aide pour lui, un conseiller en quelque sorte. Sauf que là, vous foutez vraiment de nous, vous parlez à sa place en fait. Non, pas du tout, c'est vraiment le vrai Joe Biden à côté. Waouh, ça se voit. Juste papy, il est un peu liquide, on m'a demandé de parler à sa place, mais son corps, il est vraiment là. Oui, les True Duke, c'est Jeff Panardi, le père Adrien. Adrien, arrêtez de parler à sa place, pourquoi vous le laissez pas parler? Mais parce que sinon, il tombe le vieux, il sait plus parler. Du coup, j'ai mis ma main devant lui et je fais bouger ses lèvres, c'est la seule solution pour lui d'avoir de l'énergie pour un second mandat. Mais il est absolument pas capable de diriger un pays. What? Tu dis quoi, espèce de Raphaël Bardona, the true dick? Je vais te péter la gueule, je vais t'envoyer the G-Joe pour ruiner... C'est l'accent, sorry. Pour ruiner ta beautiful face, retenez-moi, Adrien, retenez-moi, je vais ruiner ce boulonnais. Oh la vache. J'ai hâte de voir cette présidentielle. J'ai hâte de voir Joe Biden devenir le nouveau Will Smith. Merci, Adrien. Le bon plan.